c'est du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi, c'est le dernier jour de l'été. On commence avec un temps qui est dégagé, une température extérieure à 14 degrés, une température de l'eau à 19 degrés, une marée qui est en train de finir de monter, plein haut. 8h55, coefficient de 93. Sur cette fin de marée montante, le vent est offshore avec un secteur est-sud-est, moins de 1 beaufort à 1 beaufort, le plan d'eau est propre. Et on a une houle longue, vous allez voir les séries après. Une houle longue, déjà 15 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest, assez propre, un peu multipique, elle est déjà à la hausse cette houle. On a ce déferlement là, cette taille-là, régulier, il y a 80 cm à mètre, et il y a des séries qui rentrent toutes les 10 minutes, voire un peu plus, comme on voit là, qui donnent 1m30 à un petit 1m50. Voilà, par contre ça fait de grandes barres, ça arrive assez de face, c'est assez fermant. Ça arrive à ouvrir un peu sur les meilleurs bancs de sable, mais c'est quand même très long sur un swell qui est rentrant et qui donne des vagues assez rapides, voire fermantes. Mais si vous vous orientez sur les meilleurs bancs, il y a quand même des vagues qui arrivent à passer ce matin avec la marée haute. Il y a déjà des surfeurs qui checkent les conditions, il n'y a personne à l'eau. Mais attention, la houle est déjà à la hausse. Et en plus, sur les bouées, c'est déjà bien à la hausse, puisque la bouée Arcachon est à la hausse, elle tourne dans les 2 mètres, 9 à 10 secondes de période. Et la bouée Brest derrière est copieuse quand même, avec du 3 mètres, 11 à 12 secondes de période. Donc à 9h, 1m20, 1m50, ou ouest-nord-ouest à ouest, 15 secondes de période, vent est-sud-est à un beaufort. À 13h, on devra avoir 1m50, 1m80, ou ouest-nord-ouest à ouest, 15 secondes de période, vent de nord-ouest, 1 à 2 beauforts. Et à 17h, 1m50, 1m80, 2 mètres, ou ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, vent de nord-ouest, 3 beauforts. A priori, pas de vent trop fort aujourd'hui. Il faudra surfer sur les meilleurs créneaux de marée en fonction des bandes de sable pour avoir des vagues qui ouvrent. Prochain point, 8h10, à tout à l'heure, merci.